Attention, le voilà. On va se cacher, vite. Boule, tu es là? Je me demande vraiment où il est. Hé, oh, Boule, où es-tu? Oh, il doit être en bas. Boule! Boule! C'est pas drôle. C'est pas drôle. Bien joué, maman. Il est l'heure d'aller au lit. Arrête, Bill. Allez, arrêtez vos singeries maintenant si vous voulez dormir ensemble. Désolée, chérie, mais pas ce soir. Boule, vous avez chahuté toute la nuit dernière. On vous a entendu. Une autre nuit comme ça et demain, tu dormiras debout. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Allez, maman, on sera très sage, c'est promis. Et demain, tu vas voir, je serai tellement en forme que je rangerai ma chambre. S'il te plaît, maman, dis oui. Bon, allez, c'est d'accord. Youpi! Trop bien! Par contre, Bill restera au pied du lit, c'est entendu? Il faut absolument que tu dormes bien ce soir. Bonne nuit. Et pas de chahut, compris? Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. J'y crois pas. Pourtant, il y a plein de place sur le lit. Bonne nuit, Bill. Bonne nuit. Descends. Le traître. Bon, d'accord. Mais on a promis de bien dormir, hein? Je sais. Un os. Boule, c'est l'heure du petit déjeuner. Eh ben, j'ai dormi comme un chiot, moi. Bonjour, Bill. Bonjour, Caro. Mais il est où, Boule? Eh oh, Boule. Oh, oh. Toi, je sais pas de quoi t'as rêvé, mais ça devait être... sportif. Attention, le mur! Attention, les escaliers! Merci, Bill. Mais si maman voit que je suis fatiguée, on ne pourra plus jamais dormir ensemble. C'est par là. Oups, je me suis trompée. Bonjour, Boule. Bonjour, mon chéri. Bonjour. Alors, tu as passé une bonne nuit avec Bill? Ça s'est super bien passé. On a trop bien dormi. Il est vide. Heureusement. Je monte me préparer, mais n'oublie pas ta promesse d'hier soir. Tes céréales sont à côté de l'évier. Oh oh, c'est la cata. C'est mes croquettes, ça. Bill, vite. Déjà fini? Bon, tu vas pouvoir aller ranger ta chambre maintenant. Ranger ma chambre? Heureusement qu'on a bien dormi, nous. Boule va avoir bien besoin de nous aujourd'hui. Ne pas s'endormir. Ne pas s'endormir. Ne pas s'endormir. Je suis trop fatiguée. Il faut le réveiller. Eh oh, Boule, réveille-toi. On n'a pas le choix. On va ranger la chambre sans lui. Ah,
Attention, voilà maman. Hein? Il est quelle heure là? Dis donc, c'est vrai que tu m'as l'air en pleine forme ce matin. Je ne te connaissais pas si perfectionniste. Oh, désolée, je n'ai pas eu le temps de ranger. Mais qu'est-ce que... Merci les copains. Et toi, n'oublie pas que tu as promis à Madame Stig de t'occuper de sa maison en son absence. Oh, oh non! J'ai nourri Caporal, mais j'ai oublié d'arroser les plantes. Et je n'ai plus le temps, là. J'ai un rendez-vous au travail. Oh non, ne me regarde pas comme ça. Non, ma chérie. Boule, est-ce que tu peux t'en occuper? Oui, pas de problème. Merci, mon chéri, et bravo pour ta chambre. Ah, super! À nous de nous reposer. Oh non. Boule! Oh non! Bonne chance avec Caporal. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Rien qui me fasse plaisir, on sera vite parti, t'inquiète, on a une dure journée. Ah ben oui, il dort à point fermé là. Allez, si on l'aidait à se réveiller. Caporal, espèce de gros rat d'égout. Toi, t'as pas d'humour. Ah, au moins il nous embêtera plus. Mais maintenant, faut arroser les plantes. Tu sais comment faire, toi? Bah avec de l'eau. Super. Et quand tu auras fini, tu pourras aussi tondre la pelouse et nettoyer le bassin. Hé, hey, non, ça c'est mon eau, Bill. Pas de touche. Sinon quoi, tu vas me miauler dessus? Ça m'a fait du bien, cette petite sieste. Hein? Mais qu'est-ce que je fais ici? Ah oui, les plantes de Madame Stick. Ah, allez. Oh. Merci, Bill. Heureusement que t'es là. Oh. Merci beaucoup, madame. Je viendrai chercher mon colis dès que possible. Salut, papa. Tu tombes bien. J'ai une mission pour toi. Tu peux foncer en ville pour récupérer un colis. C'est super urgent. D'accord. C'est pour le travail. Oh non. Bill, je suis beaucoup trop fatiguée pour aller chercher ce colis. Tu peux y aller à ma place? J'ai tellement mal dormi. Ah bon? Et en plus, c'est super urgent. Bon, d'accord, je vais y aller. En attendant, je vais me détendre un peu. Oh, je suis tellement fatiguée, Caro. Mieux, on dirait. Super. Oh là là, Bill, tu te rends pas compte comme je suis fatiguée. Hein? Il fait semblant ou quoi? Merci, Bill. Sans ton aide, j'y serais jamais arrivée. Mais oui, bien sûr. Merci, Bill. Wow! Tu as mangé du lion aujourd'hui. Mission accomplie. Merci, fiston. Oh, c'est rien, ça m'a fait plaisir. Par contre, ça m'a donné faim. Je peux prendre une glace? Oui, évidemment, tu l'as bien mérité. Youpi! T'as vu, Bill? Ça y est,
j'ai plus sommeil. Bon, d'accord, c'est vrai que j'ai un tout petit peu exagéré. Comment je peux me faire pardonner? Je ferai tout ce que tu veux. Bon, d'accord. Mais t'as tout mangé? Ah, la petite pointe, c'est ce que je préfère. Merci, Boule. Ne le remercie pas, toi aussi t'as travaillé. On est réconciliés? Dans tes rêves. Je peux m'asseoir à côté de vous? Allez, viens. J'arrive. Oui, ça fait du bien. Oui, là, un peu plus à gauche. Tu crois pas que t'abuses un peu, là, Bill? Tel chien, tel maître. Vous avez été top aujourd'hui, tous les deux. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez à nouveau dormir ensemble ce soir. Maman a raison. Il ne faut pas abuser des bonnes choses, hein, Bill? C'est ton cadeau d'anniversaire de l'oncle Roger. Avec 2 mois de retard, comme d'habitude. Ouais, Banzai le bulldog. Qu'est-ce que c'est? Un dessin animé? Non, c'est un jeu vidéo. Tous mes copains y jouent. Un jeu vidéo avec un chien? J'ai un mauvais pressentiment. T'inquiète pas, Bill. Boule ne te remplacera jamais par un autre chien. Oui, t'as raison. Il m'aime beaucoup trop pour ça. Bienvenue dans Banzai le Bulldog. Ta mission, faire de Banzai le chien le mieux élevé du monde. Mais je te préviens, ça ne va pas être facile. Arrête, Bill! Je regarde mon jeu et j'arrive! C'est parti! Bon, allez, ça y est, t'as regardé ton jeu! Maintenant, tu peux le ranger et jouer avec moi! Encore une toute petite minute, Bill! Je veux juste voir comment fonctionne tout ça! Si tu veux qu'il joue avec toi, tu dois attirer son attention! Perdu! Hein? Tu as oublié de ramasser les crottes de Banzai sur le trottoir. Oh non, encore raté. Je sais que je peux y arriver. T'as raison, hein? Caro. Il faut que j'attire son attention. Bravo, tu as réussi le niveau 1. Veux-tu aller au niveau 2? Oui. Oh non, Boule. Niveau 2, ta mission est d'apprendre à Banzai à rapporter une balle. Oui, oui, ça va, j'arrive. Hey, Bill, t'es tellement nul que t'arrives pas à rivaliser avec un chien qui n'existe même pas.
Là, je sais plus quoi faire. J'ai tout essayé. Montre-lui à quel point tu l'aimes. Je suis sûre qu'il va craquer. Non, arrête. Perdu. Au lieu de t'apporter la balle, Banzai a couru après un chat. Oh non, tu m'as déconcentré, Bill. À cause de toi, maintenant, faut que je recommence tout à zéro. Bon, d'accord, j'ai compris. T'inquiète, je finis ce niveau vite fait et j'arrive. Niveau 2. Ta mission est d'apprendre à Banzai à rapporter une balle. Salut, Boule. Tu viens jouer avec moi dans la cabane? Non, je suis occupée. C'est quoi ton jeu? Non, je le crois pas. Banzai, le bulldog. Pourquoi tu joues avec un faux chien alors que t'en as un vrai? Je suis d'accord avec toi, Bill, c'est trop triste. Bon, bah ça suffit comme ça. Va falloir que j'emploie les grands moyens maintenant. Bill, arrête de faire semblant d'être malade. Bonjour, Macaro. Je t'ai apporté un petit cadeau. Merci, Noisette. Ben, t'en fais une tête, Bill. Qu'est-ce qui t'arrive? Salut, Boule. Tu joues à quoi? Waouh, génial! Banzai le bulldog, j'adore ce jeu. Ouais, moi aussi, j'en suis au niveau 2, là. Je reviens tout de suite. Vite, sélectionne la pluie. Si tu mets la pluie, le chat sortira pas dans la rue parce qu'il déteste l'eau. Et... Si ce jeu stupide n'existait pas, Boule et Noisette joueraient avec nous. Bill, je crois que j'ai une idée. Si on réussit à convaincre Pouf de faire diversion pour éloigner Boule et Noisette de la console, tu pourras la chipper et aller la cacher quelque part. Allez, vas-y, Bill, à toi de jouer. Ok. Bah oui, Bill, je sais très bien que Boule habite en face. Tu ne m'apprends rien. Je lis ma BD et laisse-moi tranquille. Oh. D'accord, mais tu veux que je fasse quoi? Je sais, je vais détourner son attention et lui prendre sa console. Ouais. Encore perdu. Zut, ok, bon, on recommence. Console, Pouf! Mais non, c'est pas moi! Regarde! Bah, elle est où alors? Qui est-ce qui l'a prise? Et voilà! Problème résolu! Boule va de nouveau jouer avec moi! Bill! Rends-moi ma console! Je sais que c'est toi qui l'as! Pouf, t'as vu! C'est bon, Bill, t'as gagné. Si tu me rends ma console, je joue avec toi.
Ah, enfin. Le temps de pause touche à sa fin. Dans 5 secondes, le jeu s'arrêtera et tu devras recommencer à zéro. 5. Arrête de jouer, tu viens de faire une promesse. 3. Oui, tu dois la tenir. 1. La partie va reprendre. Désolée, Bill, je jouerai avec toi dès que j'aurai gagné. T'es pas sympa, Boule. Pas sympa du tout. Je crois que Boule ne nous aime plus. Oui, il préfère sa console. Oh non! Encore perdu. Banzai a fugué parce que tu l'as abandonné. T'as entendu ça? Oui. Je ne vois pas Bill et Caroline. Tu sais où ils sont, Boule? J'en sais rien. Je jouais avec ma console. Ne me dis pas que tu as joué sur ta console tout l'après-midi, quand même. C'est-à-dire que... C'est pas vrai, Boule. Bill, Caro! Vous êtes où? Bill! Caro! Bill! Caro! Caro! Bill! J'ai cherché partout pourtant. Ils sont introuvables. C'est ma faute. Je me suis pas occupée d'eux à cause de mon jeu vidéo. Ils ont dû s'enfuir. Ne t'inquiète pas, ils ne peuvent pas être loin. On va les retrouver, mon chéri. Notre plan a marché. Boule croit qu'on a fugué. Mais où est-ce qu'ils peuvent bien être? Banzai a mangé le courrier du facteur. Hein? Bill! Caro! Qu'est-ce que je suis contente de vous voir! Je te demande pardon, Bill. Je t'abandonnerai plus jamais. Surtout pour jouer avec un chien qui n'existe même pas. C'est une très bonne décision, Boule. Et avec maman, on va mettre un nouveau règlement en place. À partir de maintenant, pas plus d'une heure de console par jour, d'accord? Ça marche. Ok, c'est parti. Ouais, t'es trop fort. Oh là là, tout ça c'est bien beau, mais je m'ennuie. À moins que... Bienvenue dans Banzai le Bulldog. Stupide ce jeu. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Ben réfléchis. Quand on joue à la baballe, c'est pour l'attraper, pas pour l'éviter. Je vais leur montrer, moi, comment on doit jouer. Bien joué, Bill. Allez, rends-nous la balle. Bon, allez, ça suffit, Bill. Rends-nous la balle. Si tu la veux, viens la chercher. Super, félicitations, Boule. Comme tout le monde peut le voir, tu as le chien le plus mal dressé du monde. Je vais te montrer, moi, ce que c'est qu'un chien obéissant.
Bah alors les copains, c'est fini, on joue plus? Rocket, ramasse ce papier et mets-le à la poubelle. Eh ben, il est drôlement bien dressé, Rocket. Tu parles? Quelle mauviette, ouais. C'est qu'un gentil toutou à son mémètre. C'est trop la honte. Et maintenant, Rocket, viens me dire bonjour. Waouh, crapard! Bravo! Génial! Ouais, bah, tout ce que fait Rocket, Bull peut le faire 10 fois mieux que lui. Alors ça, ça m'étonnerait. Bon ben, et si on organisait un concours Bill contre Rocket? Ouais, ça c'est une super idée, Luna. Pff, ah non, pas question que je joue les chiens savants. J'ai ma dignité, moi. Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses, Bull? Eh ben en fait... Ok, ça marche. Top là. Ouais. Au pied, Bill. Au pied. J'ai dit au pied. Qu'est-ce qui se passe? Vous laissez de dresser Bill. Bah alors ça, c'est pas gagné. Au pied, au pied. Est-ce que j'ai une tête à mettre au pied, moi? Boule, si tu veux que Bill t'obéisse, il ne faut pas que tu lui cries dessus. Tu dois le prendre par les sentiments. T'as raison, Noisette. Faut que je sois un peu plus patient avec lui. Tu sais qui c'est, mon meilleur copain? Toi, tu veux quelque chose? C'est toi, mon meilleur copain. Et moi, je suis ton meilleur copain. Alors pourquoi est-ce que tu veux pas faire ce que je te demande, hein? Mais non, Boule, tu t'y prends mal. Ne me parle pas comme un chien. Ça suffit! Arrête de faire ton difficile maintenant! Au pied! Je t'obéirai pas tant que tu me cries dessus! Oh! L'autre jour, mon maître, il a acheté un aquarium. Et bah, depuis, je vous jure, il passe toutes ses soirées à regarder ses poissons rouges. Et quand il se lève le matin, il fait comme ça! Saleté de puce! À tout à l'heure, Rocket. Je peux savoir ce que tu fais là? Tu t'es déjà fait toiletter hier. Oui, je dois être absolument impeccable pour le défi de demain. Le défi? Quel défi? Ah, ça, c'est une longue histoire. Bill, sois gentil, sors de cette niche, s'il te plaît. Bill! Pourquoi tu veux pas sortir, Bill? Parce qu'il ne me respecte pas. Bill, tu vas sortir de cette niche tout de suite. C'est un ordre. Bill! Bill, mon Bill, je t'en supplie. Bill? Ah. Il dort maintenant. Axel va complètement me ridiculiser demain. Voilà, vous savez tout. Et demain, je vais lui mettre une énorme pâtée à Bill. Ah, des puces! Allez hop, c'est parti pour une séance de shampouinage extrême. Sale tes puces. Je propose qu'il y ait 3 épreuves. D'abord, un concours de dressage. Ensuite, trouver un objet caché et le rapporter. Et pour finir, moi je sais, chorégraphie synchronisée. Le maître et le chien doivent faire des pas de danse ensemble. Tu crois que ça va aller, Boule?
Première épreuve, le dressage. Axel et Rocket commencent. Bien, Rocket. Bon chien. C'est un super Rocket, que vous en pensez? Rien à dire sur cette prestation. C'était propre et parfaitement exécuté. Oui, Rocket a placé la barre très haut sur cette épreuve. À toi. Essaie de faire mieux. Me laisse pas tomber, Bill. Sinon, je vais avoir la honte. Ouais. C'est parti. T'es trop génial, mon Bill. Bill, je te demande pardon d'avoir accepté ce défi stupide et je suis désolée de t'avoir crié dessus. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça. Écoute, on s'en fiche complètement de gagner, d'accord? Tout ce qui compte pour moi, c'est qu'on s'amuse tous les deux. Ouf, j'ai enfin retrouvé le boule que j'aime. Le jury déclare Axel et Rocket vainqueurs de l'épreuve de dressage. Mais on a adoré le numéro de clown de Bill. Maintenant, on peut passer à l'épreuve numéro 2. Nous avons caché un os, ils doivent le trouver le plus vite possible. Le premier qui nous le rapporte a gagné. On dirait que je vais gagner la deuxième épreuve aussi. Allez, Bill, il y a quand même un os en jeu. T'inquiète, je laisse juste Rocket faire le travail à ma place. Si vous êtes d'accord, je pense que pour cette épreuve, il y a égalité. Troisième et dernière épreuve, la chorégraphie synchronisée. Bon, Boule et Bill, c'est à vous. Bonne chance, Boule. Ça te dit de faire notre vieux numéro de breakdance? Ok, c'est parti. Il y avait égalité. Ouais, Hey, Rocket, tu veux que je te donne des cours de danse? On fait la revanche. Non, je crois pas. Quelle horreur! Ce numéro était d'une
vulgarité. On taille les poils trop longs? Ou alors on rase tout? Mais c'est horrible! T'inquiète pas, je plaisantais. Un biscuit! Un biscuit! Oh non, non, petite coquine! Tu viens juste de manger. Je vais jamais tenir jusqu'au soir. Chaque fois que Nala veut manger, c'est-à-dire toutes les 5 minutes, elle se met à chanter. Hé, hey, c'est pas bête ça. Faudra que je m'en souvienne. Bonjour. Bonjour. Salut Noisette, salut Pouf. Bonjour Julie. Elles sont trop géniales ces mésanges. Comme elles sont mignonnes. Tu gardes Ming aujourd'hui, c'est ça? Oui, d'ailleurs il faut que je l'emmène chez la toiletteuse. À plus, allez viens. Coucou Nala. Coucou Nala. Coucou Nala. Quoi? Je viens de voir des mésanges au parc. Quand elles sifflent, les gens ils leur donnent à manger. Ah, c'est vrai? Mais c'est très intéressant, ça. Waouh! Mmh. Comme tu es beau, Bill. Et maintenant, la touche finale. Bah, ça cocotte, ce machin. Terminé. Tu peux aller chercher Ming. Yip, yap. Yip, yap. Au revoir, madame. Bon, on y va? Chut, il y a Nala qui dort. Hey! Oh non! Je la vois, Bill. Nala, je préviens sa maîtresse. Madame, madame, quand j'ai ouvert la porte, Nala s'est échappée. Oh zut, je parie qu'elle est allée chercher à manger. Je suis vraiment désolée, j'aurais dû faire plus attention. Ce n'est pas ta faute, Boule. Si, c'est ma faute, je vais la retrouver et vous la ramener. Non, ne t'embête pas avec ça, Nala revient toujours. À l'heure du dîner. Ah mince! Je les vois plus! Je sais même pas par où ils sont partis! Hey! Salut Boule! Je suis en train de tester mon drone. Il a une mini caméra dessus et je peux le télépiloter avec ma tablette. Waouh! C'est trop génial! Hey, ça me donne une idée! Tu pourrais peut-être m'aider? Où est-ce qu'elle est passée? La, 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 bingo! La, 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 te voilà! Non, 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 non! C'est pour moi! C'est bon, hein? Ah, eh ben, ça fait du bien! Oui! Hey, Nala, viens par là. Laisse-moi tranquille. Oh. Allez. Terminé. Allez, on rentre. Alors, à la
tu rêves, Bill. Ça y est, on l'a retrouvée. Elle est dans le parc. La la la. Ça, c'est bien joué, Nola. Faut pas que je la perde de vue. Redresse, redresse. Et voilà. C'est bon, j'ai repris le contrôle du drone. Oh zut, on a perdu Nala. Faut aller au parc. Oh flûte, je l'ai perdu de vue maintenant. Ah, la voilà. Nala, sois sympa. Reviens. Oh non, mais c'est pas vrai. On peut jamais manger tranquille. Non, Nala, reviens. Bien vu, Bill. Ça porte bonheur de toucher du bois. Quel oiseau de malheur. Je l'ai retrouvé. Oh, Bill a du mal à la suivre. Je vais essayer de coller Nala le plus possible avec le drone. On dirait que cet oiseau bizarre me suit. Ça suffit, va-t'en. Ah, j'ai compris. L'oiseau bizarre veut faire la course avec moi. Comme tu voudras, on va bien voir qui est le plus rapide de nous deux. C'est parti. Wow, elle est zinzin cette perruche. C'est quoi ce délire? Mince! Nala vient de sortir du parc! Nom d'un os à moelle, je l'ai perdu. Je reconnais cette rue. Nala est allée dans mon quartier. On dirait qu'elle commence à fatiguer. Oh, faut vraiment que je me repose. Oh là là, c'est pas vrai. Bah super, Boule, t'as explosé mon drone. Désolée, Nolan, je t'aiderai à le réparer. Ouais, bah en attendant, on a perdu Nala, du coup. Peut-être pas. Elle a tourné dans ma rue. Allez, viens. Hé, Pluche, t'aurais pas vu passer Nala par hasard? Non, désolé. Dommage. Bon, à plus. Yip. Yep. Mais où est-ce qu'elle est passée? J'en peux plus. C'est l'heure du goûter. Oh, bonjour. Je t'avais pas vu, dis donc. Tu serais pas la perruche de la champouineuse, Lola? Diana? Nala. Ah oui, Nala. Stop. Reste où tu es, sinon tu vas tâter de mon bec. Oh, voyons, je vais quand même pas croquer l'oiseau préféré de ma toiletteuse, enfin. Réfléchis un peu. Ouais, peut-être pas, mais reste quand même où tu es. Ok, comme tu voudras. Dis-moi, Nala, qu'est-ce que tu fais aussi loin de chez toi? Je suis allée chanter dans le parc et les gens m'ont donné à manger. Ah, d'accord. Tu sais quoi? Dans mon jardin, il y a un endroit où ma maîtresse a déposé tout plein de graines pour les oiseaux. Ça t'intéresse? C'est vrai? Oui, et si tu veux bien chanter pour moi, je te montrerai où elles sont. D'accord. Oh, c'est vraiment magnifique. Je crois que j'ai jamais entendu un oiseau siffler aussi divinement, Nala. Oh, c'est vrai ça? Parole de chat. Tu veux bien chanter encore un peu pour moi?
Je vais juste m'approcher pour mieux t'entendre, d'accord? C'est un tel enchantement. Bon, d'accord. Oh, là là! Je reconnais cette voix, c'est Nala. Bravo, quel talent! Dommage que ce soit la dernière fois que tu jacasses. D'accord, pas de problème. Et si on la ramenait chez elle tous ensemble? Ça va, le drone n'a rien en fait. Il y a juste à replacer la caméra. Et voilà ton dîner, Nala. Bon appétit. Oh, burp. Avec tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, c'est dommage, mais je ne peux plus rien avaler. Désolée, Bill, mais je ne te resservirai pas. Tu viens juste de dîner. Ben, qu'est-ce qu'il lui prend? C'est nouveau, ça. Il fait comme la perruche de la toiletteuse et les mésanges. Il chante pour qu'on lui donne à manger. Alors, Caro, quelle oreille? Celle-là. Gagné. Miam. Merci, Bill. Non, y a pas de quoi. Chérie, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les splendides Rhythmix qui passent en concert ce soir. Je les adore. C'est quoi ça, les splendides Rhythmix? Un groupe de percussions brésiliennes. Tiens, écoute, ce sont les meilleurs. Tu te souviens, chérie, c'était notre premier concert. T'avais mis cette horrible chemise à fleurs jaunes. C'est pas mal. Ça pisse. On peut pas rater ça. Allô? Oui, c'est pour le concert de ce soir, je voudrais réserver, hein? Oh, c'est complet, c'est complet. Il n'y a plus une place de libre. Bon, ben, une autre fois. Oh non, j'avais oublié, j'ai un rendez-vous très important. J'avais vraiment envie d'aller à ce concert. À plus tard, tout le monde! Bon, j'ai des bricoles à faire dans le garage, moi. C'est ouf, les percussions! Regardez comme j'assure! Bill a raison! C'est super rigolo! Et les amis, si on faisait un concert surprise pour papa et maman, ça devrait pas être trop difficile de faire mieux que les splendides trucs! Génial! Trop bien! On va Mais on n'a pas d'instrument comme les splendides, nous. Oui, Boule a raison, Caro. Comment on va faire un concert sans instrument? Et ça, c'est quoi?
T'as raison, Bill. On va improviser. C'est exactement ce que je cherchais. Tada! Go! Maman? C'est pas vrai, mais où ai-je la tête? C'était chaud, on a failli gâcher la surprise. Allons jouer dehors, on sera beaucoup plus tranquille. Allez les amis, en rythme. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Boule, je cherche la passoire. Tu ne l'aurais pas vue quelque part, par hasard? Ben, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes momifié. Ouais, c'est ça. On est en train de jouer à 1, 2, 3 soleil. Mais à la mode égyptienne. Voilà, il est super ce jeu. Je suis Bill le Sphinx. Et moi, je suis tout en carreau. Ouh, bien joué les copains. Ah, on sera mieux là. Mais faut qu'on joue tout doux. Il y a des oreilles partout ici. Non mais c'est pas bientôt fini tout ce tapage. Bonjour Madame Stick, désolée, on ne voulait pas vous déranger. Eh bien c'est fait, je vous avertis, si vous continuez à faire du bruit, j'appelle la police. Oh non, non, surtout pas. T'as compris, Cabot? Allez, rentre dans ta niche. Dis donc, on t'a pas sonné, le crotal. Arrête d'aboyer. Et surtout, arrêtez les bruits de casserole. Vous me cassez les oreilles. Désolé, pas. On fait rien, on joue tranquillement, c'est tout. Vous pouvez jouer à 1, 2, 3 soleil égyptien plutôt, ça fera moins de bruit. Vous l'avez entendu? On joue si mal que ça, vous croyez? Mais non, on est des pros. Si c'est ça, on n'a qu'à aller jouer au parc devant un vrai public, on verra bien. Hé, regardez, le monsieur là, il a l'air d'aimer. Cool. T'inquiète, il a des croquettes dans les oreilles. Hé, hey, Bill! Oh! 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 Ah! Super! Une fan! Bah ouais, on assure! Cuillère, je peux, s'il te plaît? Merci. Waouh! Tada! Le truc, c'est qu'il faut rester en rythme. Allez, salut les musicos. Est-ce que ça veut dire qu'on est nul? Mais non, pas du tout, Macaro. On n'est pas encore au poil, c'est tout. Je sais. On va former un groupe avec les copains. On se retrouve au terrain secret. Super idée. On fonce, nom d'un os. Un groupe de percussion? Chouette. Mais je jouerai de quel instrument? Tu dois bien avoir des cuillères chez toi. J'ai encore mieux que ça. Hé, hey, Pouf, tu viens jouer avec nous? Ben, je suis pas très fort en percussion, moi. Bien sûr que si, c'est comme se brosser les dents. Mais en rythme. Ah, comme ça? Ouais!
Salut, Pluche. Ça te dirait pas de venir faire des percus, plutôt? Si, carrément, j'adore les percus. Allez, faut y aller. Ming! Mais c'est quoi ce truc? Ben, ça se voit, non? C'est juste un os qui fait du bruit. Génial, ce truc! Tu voudrais pas faire partie de notre groupe par hasard? À fond, je vais carrément assurer. Vous êtes prêts? Allez, ça va swinguer! Oui, mais avant, il nous faudrait un nom de groupe. Les rois du boucan, c'est pas mal, non? Et les bruiteurs fous, c'est mieux, non? Et si on s'appelait plutôt les magiques percus? C'est un super nom de groupe, ça! Oh ouais, trop bonne idée! Ouais! Ouais, trop cool, ce nom! Vous êtes prêts? 1, 2, 3! On va jamais y arriver si on continue à jouer comme ça. Allez les musicos, faut qu'on joue bien ensemble et en rythme. Pas mal du tout les copains. Écoutez-moi ça. J'attends. Oh, c'est vrai? Oh, merci beaucoup, monsieur. Vous êtes mon héros. Ouais! Oui! Yeah. Papa, maman, on vous a préparé une super surprise. Alors ça, c'est marrant. Nous aussi, on a une super surprise pour toi. Surprise! Hein? Papa a réussi à avoir des places pour le concert, finalement. C'est génial, non? Trop génial! Sois gentil avec Julie! Elle est là pour te garder. Alors amusez-vous bien et soyez sages! Bonne soirée! Boule, ça va? T'as l'air bizarre. Bon, Julie, papa et maman sont partis, alors c'est toi qui vas faire notre public! Ah bon? On est les Magiques Percus! Vous êtes trop mignon. Merci les amis, on forme un super groupe. Non mais c'est pas bientôt fini tout ce boucan. Super. On devrait peut-être faire une tournée mondiale. Ou peut-être pas.